Prêté de Saint Basile sur le Saint-Esprit, dans la simplicité des dieux, l'union des personnes et la commune possession d'une même divinité, le Saint-Esprit étant, il a sa réalité propre, mais il est réuni au Père un par l'unique Fils, et en lui s'achève la bienheureuse et glorieuse Trinité. Il est intimement apparenté au Père et au Fils, cela est clair, car on ne le range pas parmi la foule des créatures, mais on le nomme à part. Il n'est pas l'unité d'un ensemble, il est un, tout simplement. Le Père est un, le Fils est un, et pareillement l'Esprit. Il est donc aussi éloigné de la nature créée qu'est l'un et différent des composés et du multiple. Il s'exhale comme un souffle des lèvres divines. Bien sûr, je ne parle pas des lèvres corporelles, ni d'une haleine qui se dissipe. Il faut entendre ces lèvres d'une façon digne des dieux et ce souffle comme une substance vivante et le principe souverain de toute sainteté. Un tel symbole nous aide à comprendre l'intimité des personnes, mais leur mode d'exister passe nos possibilités d'expression. Béni soit le Seigneur. Amen.
Voyez le rayonnement du soleil. Tout être qui en jouit semble la voir pour lui seul. Et pourtant la terre, l'air et l'océan sont remplis de sa lumière. De même, l'Esprit est présent à chaque créature capable de l'accueillir, comme si elle était seule.